Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Comment il va, Ali? En forme? Ça va super. Alors, parle bien dans le micro pour qu'on t'entende. Ça va super. Et toi? Ouais, tellement heureux de te recevoir. Tu sais que quand t'es rentré dans Secret, le premier jour, ouais. je me suis trompé. J'ai dit, mais il a une tête de finaliste, celui-là. Sérieux. Et je sais pas si tu dois connaître un peu les équipes de casting. Et il y a une femme qui s'occupe du casting, qui s'appelle Aurore Allemand. Ouais, c'est quelque chose que tu dois connaître. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, franchement, Ali, le top. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir, mon petit poulet. Merci, Aymeric, de même. Je suis content d'être là. Et dites-nous, il est très très beau. Et les filles dans le studio. On va mettre une petite photo sur le réseau. Elles ont mis un sourire de dingue. On va vous prendre une photo parce que, franchement, là, Ali, mannequin. Merci, Aymeric. Ah ouais, magnifique. Mmh. Bon, ça va. Alors, moi, Ali, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de toi. Donc toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es rentré dans Secret Story, la dernière saison, avec l'appui de 105 247 personnes. C'est ça. C'était ton secret, parce qu'on le rappelle, dans Secret Story, on rentre dans cette aventure et on a un secret. Par ailleurs, je te présente toute la bande, t'as Mouni en face de toi, via Alix sur réseaux sociaux, et elles ont suivi ton aventure, et on va pouvoir la décortiquer tous ensemble, et on va me donner également le nombre de tweets qui est affolant, parce que tu es très attendu, et du coup, cette aventure t'a apporté une base fan incroyable. Franchement, incroyable. Ouais. Ouais, tu t'en rends compte? Je m'en rends compte petit à petit, en fait. Ouais. Je me suis rendu compte une fois la sortie, pas trop, ouais. Mais j'essaie de rester le plus possible connecté avec mes fans, avec toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à présent, et ça me fait énormément plaisir. Ouais, mais c'est fou. Moi, j'ai vu, t'as une cote de popularité qui est dingue, et on va en parler ensemble. Et toi, tu fais un peu de breakdance, c'est ça? C'est ça. À la base, c'est très sportif. Depuis 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant. Et comment t'as fait pour entrer dans Secret Story? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? C'était l'année dernière. Ouais. J'ai été casté pour ta saison. Parle bien dans le micro, mon poulet. Ah, t'as été casté pour ma saison? J'ai été casté pour ta saison. Et pourquoi t'es pas venu dans ma saison? C'est dommage. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'était à la dernière minute. C'était très speed. Ah ouais? Ah, mais moi, ça m'a fait la même pour la saison 7. La saison 7, 10 jours avant, j'ai planté. Ouais. Et finalement, j'ai fait la 8. Et toi, c'est un peu pareil, mais. C'est la même chose. Ah ouais. On m'a casté à Notre-Dame. Comme ça. Sauvage. Ouais. Dans la rue. Dans la rue. On m'a arrêté dans la rue et puis on m'a proposé. Au début, bon, j'étais pas chaud. J'étais un peu réticent, ouais. C'est pas ton kiff à la base de faire de la télé-réalité, c'est pas forcément le truc qui t'a inspiré. Pas du tout, c'est que je venais d'ouvrir ma boutique de prêt-à-porter. Ouais. Mmh. Et j'avais pas forcément le temps, en fait, de m'occuper de. Ouais. Des castings. Tu t'es aussi de ma boutique. Ouais. Voilà. Eh, mais tu sais que ça me franchement c'est dingue les similitudes, parce que moi j'avais ouvert ma boîte de rénovation d'intérieur comme toi, et j'ai dit non, je fais pas le 7 parce que je l'ai ouvert, c'est galère, et donc je te comprends tout à fait. Donc du coup, ça s'est bien calé en fait avec tout ça. Et je vois que t'es rusé, fougueux, friand de nouveaux challenges. C'est la description qui est faite sur TF1, mon petit poulet. D'accord. Et c'est ce qu'on a pu voir un petit peu dans Secret. Donc toi, t'as roulé ta bosse, et ça s'est plutôt bien passé pour toi, parce que même si aujourd'hui t'es pas allé jusqu'en finale, aujourd'hui quand on regarde les réseaux sociaux, t'es un des plus suivis. Donc t'as quand même t'as gagné en fin de compte aussi. Pour moi, j'ai gagné. Moi, j'ai eu ce que je voulais. J'ai des personnes formidables qui me suivent, qui sont là à me donner tout le temps à me faire des compliments. Ouais. Moi, j'ai gagné. Et comment ça se passe aujourd'hui dans la rue pour toi? Quelles sont les premières phrases que te disent les gens? Est-ce qu'ils te parlent? Ils parlent de quoi? Ils te parlent d'Alia beaucoup? Non, enfin, c'est pas le premier sujet en fait. C'est on me dit, t'as été super, t'es un tueur, t'es le meilleur joueur, et ça m'a fait. C'est beaucoup de compliments. Et on a un public, on leur demandera chacune ce qu'elle pense de toi en quelques mots. On fera un petit tour, mais je crois qu'Alix a réagi sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux via le hashtag Rico Show. Vous êtes énormément. Donc on a par exemple Merveille. Bombardez-les là de questions. La team Ali est en force. Donc on a Merveille qui nous dit Aymeric et Ali, je les adore tous les deux. C'est trop trop bien. Donc on a Ali, the best team Ali, qui dit ça fait trop plaisir de t'entendre. Donc allez-y, continuez à réagir, et surtout si vous voulez qu'Ali vous appelle, posez une question et on prendra votre numéro de téléphone et vous aurez peut-être Ali au téléphone. Donc hashtag Ricochot. Allez-y, parce que je le rappelle, Ali, moi je prends les devants avec toi, hein. Je te dis, ce soir on va passer une soirée, ça va être hashtag MAli, tu vois, c'est-à-dire qu'on va former un petit couple et il y a pas mal de choses qui arrivent. Sache que le thème de ce soir, c'est vos techniques de drague. Donc les auditeurs vont venir nous parler de leurs techniques, les filles également, toi aussi, et puis on va se confronter. Toi, tu vas appeler des nanas, je vais en appeler, et le public décidera qui est le plus grand séducteur entre toi et moi. Et, non, mais tu sais ce qu'on va faire, Ali? Le pire, c'est qu'on va appeler même des mecs. Oh là. On va
se régaler. Ça va être du bonheur. Ça va être en du attendant, bonheur. Moi, Ali, je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce qu'on fait après Secret? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah écoute, moi j'ai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une boutique de prêt-à-porter, je m'occupe surtout de ma boutique. J'ai beaucoup de rendez-vous, beaucoup de, d'entretiens avec plein de petites marques parisiennes. Ouais. Donc, histoire de voir s'il y a une petite collaboration qui peut se faire avec eux ou des petites collections capsules. Ouais. Donc voilà. Donc t'enchaînes par rapport à ça. Je développe la boutique. Et là, il y a eu des rumeurs de dingue, Ali. J'ai vu un casting passé et beaucoup sont venus me parler, m'a dit tiens, Emeric, je t'ai vu dans le casting et t'y étais aussi. Comme quoi tous les deux on partirait pour faire les anges. Ali, tu pars? On part? Non, je pars pas. Tu pars pas? T'as pas envie? Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que pour le moment j'ai envie de sortir ma boutique. Faut que ça soit carré, tu vois. Ali est en train d'envoyer un message au producteur pour qu'il leur fasse un gros chèque. Tu veux un gros chèque, quoi. Il leur fait comprendre. Il leur fait comprendre, c'est voilà, je suis booké. Non, je rigole. Et le temps, c'est l'argent. Voilà, exactement. Et donc, il faut donc, compenser. Pas besoin de chèque, il me faut du temps. Je préfère le faire tout seul. Donc, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, les anges. Non. Non, c'est pas forcément. Voilà. Moi, ça l'a jamais été. Alors, il y a eu une rumeur qui est sortie. On m'a dit, tu vas faire les anges. Ben, ça l'a jamais été. Donc je le ferai pas, c'est bien dommage parce qu'Ali t'aurais été avec moi dans les anges, je t'aurais fait faire mollir. Tu le fais toi? Deux. Non, je vais pas le faire, t'es fou. Ah, tu veux pas le faire? Non, je vais pas le faire. Jamais j'ai voulu le faire. Jamais. Pourquoi? Moi j'arrête la télé-réalité moi. Non, sérieux, j'arrête. Pourquoi tu veux pas? Parce que j'arrête la télé-réalité, c'est pas le truc qui ça y est, j'ai fait Secret. Je trouve que c'est la télé-réalité numéro 1. Après je trouve que tu sais les anges et tout, à un moment donné, je sais pas, je trouve qu'il faut faire des séquences, des scènes. Je sais pas si t'es toi comme moi, Secret. Franchement, déjà Secret, il y en a qui disent voilà, à un moment donné, il y a des orientations, etc. Mais je trouve que c'est quand même toi qui ressort. Je sais pas si c'est vraiment ça dans les anges. Franchement, je te dis la vérité. J'ai peur de pas que ça reflète pas ma personnalité. Il y a rien de pire que quand tu vas dans la rue et que les gens ils décrivent une autre personne, tu vois. Là, t'es content de ta description. Ah oui, mais tu vois. Voilà, après, je sais pas si à un moment donné, quand tu vas là-bas, le concept me fait un peu peur, je te dis la vérité. Okay. Et toi, si on te propose sérieux, on te dit écoute, on se démerde, ta boutique et tout, on se démerde, viens faire les anges. Y a pas la boutique, tu fais les anges? Y a pas la boutique qui te stresse, qui te parasite un petit peu? Je pense que ouais. Tu penses que tu fais les anges? Parce que c'est un truc qui peut te. La boutique, c'est concret, tu vois, ma boutique, c'est bien sûr. C'est quelque chose qui est là et que je peux développer au fur et à mesure avec le temps et qui sera là sans doute dans 5 ans, 10 ans, je l'espère. Bien sûr. Alors que les anges, je vais le faire, ça va durer quoi? C'est quoi? Les anges. Voilà, c'est éphémère. Ouais, les anges, c'est clair, c'est éphémère. Non, mais t'as raison d'axer sur la boutique. Après, tu vois, ça peut relancer aussi le business. Enfin, c'est un autre sujet. Et là, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Hein. C'est quoi cette histoire avec Alia? J'ai l'impression, ça joue au chat et à la souris. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que t'es dingue de cette fille. Bah, Alia, moi, je l'apprécie énormément. Après, on passe beaucoup de temps ensemble. Mm. On est amené à se voir et je pense qu'on est les deux personnes qui ont gardé le plus contact après Secret. Enfin, on a gardé le même contact. Parle bien dans le micro, elle dit comme ça. Ça te va là? Ouais, ouais. Donc en toute amitié. C'est quoi? Je vais même te l'ajuster un peu comme ça. Donc ouais, vous avez gardé ça en toute amitié. On va se faire une interview les yeux dans les yeux. Moi, Ali. Oui. T'es beau, hein. Fais gaffe, j'ai de galoche. Hein. Alors. Tu l'es fait. Prévenu, Ali. Tu sais, Nathalie, elle a fait mon choix. Elle a dit tout le monde craque. Bon, ça, c'est un autre sujet, on l'abordera. Alia, ça dit quoi, mon frérot? Attends, je m'en remets vite fait. Bah écoute, Alia, comme je viens de te dire, à l'intérieur de la maison, on était super proches. À l'extérieur, on a gardé la même complicité. Mm. On s'entend super bien, on se voit souvent. Et voilà, c'est comme donc ça. Donc, c'est quoi? Tu la kiffes, tu la kiffes pas? Quand tu me parles d'elle, je vois tes yeux, c'est le code de la route. Là. Il y a les feux tricolores, il y a tout. Il y a tout qui se met dans. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Il essaie de me mettre dans tous mes états, ça marchera pas. Non, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on fait d'Alia? On reste pote, ou est-ce qu'il y a une ouverture? C'est ça l'histoire. Est-ce qu'on apprend encore à se connaître aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'on apprend à se connaître aujourd'hui? Est-ce qu'il y a. On va faire par étapes. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose un jour? Si ça continue comme ça, il pourrait pourquoi pas y avoir quelque chose. Frérot, il te faut combien de temps? Bah écoute, moi, quand il y aura le déclic, j'ai envie de te dire. Quand il y aura le déclic, ah ouais. et ça peut décliquer. J'aime à tout. Pas forcer les choses, je suis pas. Ouais. Ouais, elle est plus croque de toi ou tout. Qu'est-ce que tu sens? Elle, j'ai l'impression qu'elle est accrochée. En fait, on est tous les deux tellement fiers, tu vois, qu'on se dit rien. Ouais.
Mais le jour sur nos gardes, en fait, si tu préfères. Mais le jour où il y en a un qui va pécho une autre personne, ça va être le drame. Ah, là, tout le monde, on va tous. Tu sais quoi, Ali, pour éviter ça, on va se pécho tous les deux. Comme ça, on va être tranquille. On va être tranquille et on va écarter le DOS. Bon, on a compris. Il faut surveiller le DOS Alia.